Voici quelques récits détaillant les blessures reçues par le Saint Prophète Mohammed lui lors de la bataille d'Uhud. Selon un récit d'Ibn Abbas, le Saint Prophète Mohamed lui a déclaré en cette occasion Ishtad la colère d'Allah est sévère contre celui qui s'est battu contre le prophète d'Allah, qui a combattu pour la cause d'Allah. La colère d'Allah est sévère contre ce peuple qui a ensanglanté le visage de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Selon un récit de Tabrani, quand le Saint Prophète Muhammad wa sallam, a été blessé, il a déclaré il a de la, de Allah, wa la colère d'Allah est sévère contre ce peuple qui a blessé le visage béni de l'Envoyé d'Allah. Et après un court silence, il a prié en ces termes. Allahu ma'ghfir li fa la ya'lamoun. Oh Allah, pardonne mon peuple car il est ignorant. Selon les récits des recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, répétait à maintes reprises Allahu ma'ghfir li fa la ya'lamoun. Oh Allah, pardonne mon peuple car il est ignorant. Ainsi, la miséricorde de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Miséricorde, qui était le reflet complet de la miséricorde divine, a eu le dessus, même en ces instants quand il était blessé et quand il saignait. Et il a répété la prière énonçant que la colère de Dieu se manifeste quand un peuple persécute son prophète et le bien-aimé de Dieu. Mais il a prié en ces termes. « Oh Allah, ils sont coupables de ces exactions en raison de leur ignorance et en raison de leur sottise. Pardonne-leur. Ne les châtie pas en raison de leur erreur. »« Allahumma salli muhammadin wa ala muhammadin. »« Quelle splendide manifestation de bienveillance. » Voici le récit d'Al-Bukhari à ce propos. قال عبد الله كأني انظر الى نبي يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه فادمعوه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون عبد الله بن مسعود C'est سي كوم سي جو le لو صلى الله عليه وسلم Parlait d'un des prophètes d'antan dont la nation l'avait battu et avait fait saigner son visage. Il a nettoyé le sang de son visage et disait Ô oh Allah, pardonne ma nation car ma nation est ignorante. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a commenté à ce propos dans son ouvrage Sirat Munnabiyin. Il déclare Arrivé au col de la montagne, le saint prophète Mohammed, bin nettoya ses blessures avec l'aide de Ali Arad -talanhou. Au prix de grandes difficultés, Abu bin Benal Jarrah, utilisa ses dents pour faire sortir les deux anneaux qui étaient enfoncés profondément dans la joue de l'envoyé d'Allah, bin soit et dans cet effort, deux de ses propres dents ont été cassées. Les blessures du Saint-Prophète Mohammed, puisque -so -so lui saignaient abondamment en ces instants, et à la vue de ce sang très peiné, le Saint-Prophète Mohammed, puisque -so -so lui a déclaré Comment, pareil peuple, pourra-t-il prospérer, lui qui a souillé le visage de son prophète de son sang, au seul motif que leur prophète les invitait vers Dieu Après cela, le Saint-Prophète Mohammed, puisque -so -so lui est demeuré silencieux pendant quelque temps. Ensuite, il a prié, ⁇ Oh Allah, pardonne à mon peuple, car il a commis cette erreur par ignorance. ⁇ On raconte aussi qu'à cette occasion, ce verset a été révélé, verset dans lequel il est dit que ⁇ C'est-à-dire la question du châtiment et du pardon est entre les mains Tu n'as pas à t'en préoccuper. Allah pardonnera à qui il veut et il punira à qui il veut. <coughs> Fatima Zahra avait quitté Médine après avoir entendu les terribles nouvelles concernant le saint prophète Mohammed lui et elle est arrivée à Aoud peu de temps après. Dès son arrivée, elle a commencé à laver les blessures du Saint-Prophète Mohammed, mais le saignement ne s'arrêtait pas. Finalement, Fatima a brûlé une natte de paille et elle a appliqué les cendres de cette paille sur la blessure du Saint-Prophète Mohammed, et c'est là que le sang s'est arrêté. À cette occasion, d'autres femmes ont également soigné des compagnons blessés et ont ainsi obtenu leur récompense spirituelle. Le deuxième calife, Radu Atalanho, évoque cet incident en ces termes. Une pierre a frappé le casque du Saint-Prophète, Mohammed sur lui, lors de la bataille de Houd, et un clou de son casque s'est enfoncé dans sa tête. Le Saint-Prophète a perdu connaissance et il est tombé sur les cadavres de ses compagnons qui étaient tombés en martyr en combattant autour de lui. Par la suite, les dépouilles d'autres compagnons lui sont tombées dessus et les autres ont cru qu'il était tombé en martyr. Mais quand on l'a extirpé du fossé et qu'il a repris connaissance, il ne s'est même pas soucié du fait que l'ennemi l'avait blessé, ou que ses dents avaient été brisées et que ses proches et ses parents et ses amis ont été tués. Dès qu'il a repris connaissance, il a prié en ces termes, ⁇ Oh Allah, ces gens n'ont pas pu reconnaître mon statut, pardonne-leur leur péché !⁇ on trouve également mention de la présence des anges lors de la bataille de Houd et leur participation à la bataille. Sa'ad bin Ouakas rapporte avoir vu deux hommes combattre à la droite et à la gauche de l'envoyé d'Allah à Houd. Ces individus étaient vêtus de blanc et se battaient férocement. Saad a déclaré Je n'avais jamais vu ces individus auparavant ni par la suite. Il s'agissait des anges Gabriel et Michael. Bayhiki relate que Mujahid a déclaré à ce propos que les anges avaient combattu que le jour de la bataille de Badr. Bayhiki déclare à ce propos que Mujahid entend par là que les anges n'ont pas combattu lorsque les musulmans ont désobéi au saint prophète Mohammed B.S.A. lui et qu'ils n'ont pas patiemment appliqué ces instructions. Ceci concerne les archers du col montagneux. Les anges les protégeaient tant qu'ils étaient obéissants et ils étaient patients. Lorsqu'ils ont fait montre d'impatience, les anges ont retiré leur protection. Allah, c'est le mieux. Mohamed bin Omar a rapporté un commentaire de ses enseignants à propos du verset suivant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été secourus étant donné qu'ils n'ont pas été patients et qu'ils ont pris la fuite. Il a également rapporté que ses maîtres avaient déclaré que Moussa bin Omer était tombé en martyr et qu'un ange arborant le visage de Moussa bin Omer avait alors pris le drapeau. Les anges étaient présents ce jour-là, mais ils n'avaient pas combattu. Harif bin Sima décrit ces circonstances en disant: Le jour de la bataille de houd le Saint Prophète Mohammed paix lui était dans le défilé. Il m'a demandé à propos d'Abdurrahman bin Auf Et je lui ai dit que je l'ai vu se diriger vers la montagne. Le Saint Prophète Mohammed paix lui a déclaré que les anges combattaient sans du doute à ses côtés. Harif déclare: quand je suis retourné auprès d'Abdul Rahman, j'ai vu devant lui les cadavres de sept mécréants. Je lui ai dit, tu as triomphé. Est-ce toi qui les as tous tués Il a répondu, j'ai tué celui-là et celui-là. Les autres ont été tués par une personne que je n'ai jamais vue. J'ai déclaré, Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit la vérité, c'est-à-dire que des anges combattaient à ses côtés. Ibn Saad relate une narration d'Abdullah bin Fadl bin Abbas selon laquelle le saint prophète Mohammed bin lui avait confié l'étendard à Moussa bin Omer le jour de la bataille de Houd. Moussa est tombé en martyr et un ange, arborant sa physionomie, a pris le drapeau. Le saint prophète Mohammed bin lui disait « Oh Moussa, avance !» L'ange s'est tourné vers lui et a déclaré « Je ne suis pas Moussa ». L'envoyé d'Allah a reconnu qu'il s'agissait d'un ange qui était venu lui porter secours. Mohamed bin Thabit rapporte que le saint prophète Mohamed a déclaré le jour de Houd. Au Moussab avance, Abdulrahman a déclaré au oh, messager d'Allah Moussab n'est-il pas tombé à mortir Il a répondu Certainement, mais un ange a été désigné comme son suppléant et il porte son nom. Alama ibn Asakir relate que Saad bin Abiwakas a déclaré Le jour Hud, je tirais des flèches et un bel homme vêtu de blanc me les rapportait. Je ne le connaissais pas et j'en ai déduit qu'il s'agissait d'un ange. Omer bin Isaac rapporte que les combattants musulmans s'étaient éloignés du saint prophète Mohammed bin le jour de la bataille Hud. Saad tirait des flèches devant lui. Un jeune homme lui apportait ses flèches. Chaque fois qu'il tirait des flèches, le jeune homme les lui ramenait. Le saint prophète Mohammed P.S. lui a déclaré au Abu Israac Envoie tes flèches. Après la bataille, je n'ai plus vu ce jeune homme. Le saint prophète Mohammed P.S. lui a déclaré au Abu Israq, Envoie tes flèches. Après la bataille, je n'ai plus, plus vu ce jeune homme et personne ne le connaissait. Alama relate de loi une narration sur la parole divine suivante Allah avait promis d'aider les musulmans avec 5000 anges tant qu'ils seraient patients et feraient montre de taqwa. Allah a tenu sa promesse. Mais lorsque les musulmans ont enfreint les ordres du saint prophète Muhammad Sosalli, en abandonnant leur position, spécifiquement lorsque les anges ont négligé l'injonction, de l'envoyer d'Allah wa sallam de ne pas abandonner leur poste et qu'ils ont été motivés par des désirs terrestres, la protection divine fournie par les anges leur a été retirée par Allah. Et Allah avait révélé ce verset. Allah vous a tenu sa promesse en votre faveur lorsque vous les tuez sans relâche avec sa permission. Allah a tenu sa promesse et il leur a offert la victoire, mais ils ont été éprouvés lorsqu'ils ont désobéi l'ordre. Dans l'un de ses discours, le quatrième calife a également mentionné cet événement en déclarant que les compagnons ont rapporté que lors de la bataille de Badr, des anges ont été vus portant des turbans noirs sur leur tête et portant en uniforme. Lorsque les compagnons ont vu ces anges dans différentes situations, ils portaient également des turbans noirs de la même manière. Lorsque les récits ont été rassemblés, ils ont été étonnés. Tous les événements se sont déroulés en accord à l'interprétation du verset Moussawimin, c'est-à-dire les anges qui attaqueront avec véhémence. Tout s'est déroulé en accord à l'interprétation présentée par le saint prophète Muhammad Pissas à lui tel était le destin et cela s'est réalisé de la même manière de même lors de la bataille de les anges qui sont apparus portaient des turbans rouges sur leur tête comme signe distinctif la teinte rouge véhiculait également un message de tristesse symbolisant l'intensité de la douleur ressentie par les compagnons lors de la bataille de en raison des blessures infligées au saint prophète mohammed bessass à lui douleur qu'il n'avait jamais ressentie au cours de son vécu après une tristesse, une autre triste nouvelle leur est parvenue et ils ont été débordés de chagrin. Ainsi, au cours de cette bataille, la couleur choisie pour représenter le signe des anges était le rouge, couleur qui représentait le chagrin, le sang et la douleur. Il existe également de nombreux récits sur la fermeté et le sacrifice des compagnons du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Sacrifices qu'ils ont consentis pour assurer la protection de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On trouve mention des récits sur Anas bin Nadhar Ansari. Anas a déclaré « Mon oncle Anas bin Nadr n'avait pas participé à la bataille de Badr. Il avait dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Je n'étais pas présent dans la première bataille que vous avez menée contre les polythéistes ». S'il plaît à Allah de me faire participer à la bataille contre les polythéistes, Allah verra certainement mes faits d'armes. Ainsi, quand la journée du houd est arrivée et que les musulmans se sont retirés du champ de bataille, Anas bin Nadar s'est adressé à Dieu en disant oh :« Allah, je m'excuse devant toi pour ce qu'ils ont fait. » Il faisait référence à ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui s'étaient dispersés sur le champ de bataille. Et ensuite, il a déclaré. Je m'absous de ce que ces gens ont fait. Il faisait référence aux polythéistes. Ensuite, il avança et rencontra Saad bin Muad. Il a déclaré au Saad bin Muath Le paradis. Ensuite, il a déclaré par le Seigneur de Nadar Je sens le parfum du paradis dans la direction d'Uhd. Saad a déclaré au messager d'Allah, je n'ai pas pu accomplir ce que Anas avait accompli. Il a relaté l'incident au saint prophète Mohammed B. lui expliquant qu'Anas s'est battu avec audace et sans peur, déclarant qu'il n'aurait pas pu le faire. Anas, le neveu d'Anas Bin Nathara, a déclaré Nous avons dénombré plus de 80 blessures sur sa dépouille, blessures causées par des épées, des lances et des flèches. Et nous l'avons trouvé gisant en martyre et les politistes l'avaient mutilé. Personne ne pouvait le reconnaître sauf sa sœur, qui l'a reconnu grâce à un furoncle sur son doigt. Anas a déclaré, nous pensons que ce verset suivant a été révélé à son sujet ou à propos d'autres compagnons de sa catégorie. Verset qui déclare, Certains des croyants ont été fidèles à leur engagement envers Allah. Ibn Ishaq affirme Anas bin Nathar, l'oncle d'Anas bin Malik, a rencontré Talha bin Ubaidullah, Omar bin Khattab et d'autres émigrants et Ansar. Ils étaient assis. Anas leur a demandé Pourquoi êtes-vous assis ici ils ont répondu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Anas a déclaré, que ferez-vous après la mort de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Mourez de la même manière que lui. Anas, se dirigeant vers les mécréants, a combattu courageusement jusqu'à tomber en martyr. Anas bin Malik a reçu son nom en son honneur. Anas bin Malik déclare, ce jour-là, nous avons trouvé Anas bin Natar, dans un tel état que son corps portait les marques de 70 blessures, et personne ne pouvait le reconnaître sauf sa sœur. Elle l'a reconnu par les furoncles sur ses doigts. Hazrat Mizabashir Ahmad Saiba décrit ainsi cet incident. Une lutte très dangereuse s'ensuivit, et ce fut une période de grande épreuve et de tribulation pour les musulmans. Comme mentionné ci-dessus, en entendant la nouvelle du martyr du Saint-Prophète Mohammed, de nombreux compagnons avaient perdu leur esprit et, jetant leurs armes, ils se sont déplacés d'un côté du champ de bataille. Omar faisait partie de ses compagnons ayant sombré dans le désespoir. Ces personnes étaient assises d'un côté du champ de bataille quand un compagnon nommé Anas bin Nadar Ansari est passé par là et en les voyant, il leur a demandé Que faites-vous ici ils ont répondu, le Saint-Prophète PSA lui est décédé, que va-t-on gagner de la bataille C'est le moment du combat, a répondu Anas, afin que nous puissions également mériter la mort du Saint-Prophète Mohammed lui. D'ailleurs, quel plaisir tirer de la vie après la disparition du Saint-Prophète Mohammed PSA lui. Ensuite, Saad est passé devant Anas et Anas lui a dit, Saad, je peux sentir le parfum du paradis venant de cette montagne. Anas a pénétré dans les rangs ennemis et il est tombé à martyr au combat. Après la bataille, on a constaté qu'il avait subi plus de 80 blessures et personne n'a pu reconnaître sa dépouille. Finalement, sa sœur l'a identifié par une marque sur son doigt. Le deuxième calife a également commenté à ce propos. L'oncle d'Al-Nas avait également participé à la bataille d'Uhu, dit-il, et avait montré un grand courage. Il avait bien combattu et il avait très bien protégé le saint prophète Muhammad que ce soit lui des attaques, des mécréants. Après la victoire, les musulmans étaient occupés à capturer les ennemis et à rassembler leurs biens et leurs possessions. Les adversaires stupides de l'islam qualifient cela de pillage. Le musulman déclare ici que les adversaires de l'islam qualifient de pillage le fait que les combattants musulmans ramassaient le butin de l'ennemi. Cependant, ce n'était pas du pillage, mais c'était un moyen pour affaiblir l'ennemi. Quoi qu'il en soit, Anas bin Nathar s'est dit que sa tâche était terminée. Il avait faim et il possédait quelques dates. Il s'est éloigné du champ de bataille. Il a commencé à manger ses dates, se réjouissant de la victoire. En mangeant et en marchant, il est arrivé à une pierre sur laquelle Omar était assis en train de pleurer. Anas en était tout surpris. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour de liesse, un jour pour se féliciter. Pourquoi pleurer en de telles circonstances Ainsi, Anas a dit à Omar Et aujourd'hui est un jour de joie car Allah a offert la victoire aux musulmans et toi tu pleures. Omar lui a dit Peut-être que tu ignores ce qui s'est passé après la victoire. Anas a demandé Que s'est-il passé Omar a répondu L'armée est retournée par derrière et a lancé une attaque. Ce qui a entraîné la dispersion de l'armée islamique et la mort du saint prophète mohammed lui. Satan Sari a déclaré au Omar, pourquoi pleures-tu? Une date était dans sa main. Il a jeté cette date et il a dit à cette date, en s'adressant à la date, il a dit il n'y a que toi entre moi et mon Seigneur. Il se référait à Omar ou à la date, en tout cas, il a déclaré. Il n'y a que cette date entre moi et mon Seigneur. Ensuite, il a regardé Omar et il a déclaré, ⁇ Omar, si le Saint-Prophète, ce soit lui, est tombé en martyr, quel est notre rôle en ce monde ?⁇ Nous partirons là où il est parti. Tenant une épée dans sa main, il a attaqué tout seul l'armée ennemie qui était en nombre de milliers. Quelle est l'importance d'un homme contre des milliers Il a été attaqué sur les quatre fronts et il est tombé en martyr là-bas. Après la bataille, lorsque le saint prophète Mohamed lui a fait chercher son cadavre, on l'a découvert en 70 morceaux, voire certaines narrations disent qu'on ne pouvait même pas reconnaître sa dépouille. Finalement, sa sœur ou un autre parent l'a identifié par le biais d'une marque sur son doigt. hadrat Muslim a également relaté cet incident de cette manière. Quand la nouvelle du martyr du saint prophète Mohamed lui lors de la bataille d'Ohud s'est répandue, Anas bin Nadar, l'oncle d'Anos, a vu Omar assis sur une colline et en train de pleurer. Il lui a demandé Omar, pourquoi pleurer tandis que les musulmans ont remporté la victoire. Omar a répondu Tu ne sais peut-être pas que le saint prophète Pessoa soit lui est tombé à martyr. Lorsqu'il a entendu cela, l'oncle d'Anos mangeait des dattes et il n'avait qu'une date dans la main. Il l'a soulevé, il l'a jeté, il a déclaré entre moi et mon Dieu, à part cela, qu'y a-t-il d'autre Et du point de vue de son amour, il a regardé Omar avec dédain et a déclaré, Omar, quand le saint prophète Mahomet de lui est parti pour le delà pourquoi pleures-tu ici Nous irons là où il est parti. Et Anas tout seul a attaqué l'armée ennemie de 3000 soldats. Les mécréants le considéraient peut-être comme un fou. Il a combattu et il a connu le martyr. Après la bataille, quand on a cherché sa dépouille, on a découvert sa dépouille en 70 morceaux. Chaque articulation a été découpée. <cute> Hadrat Muslim Aoud de a détaillé les événements de son martyr dans divers endroits, dans certains endroits avec plus de détails que dans d'autres. Le Muslim Aoud Aradu Tarenhu relate Malik bin Anas, un compagnon, Ansari, avait manqué de participer à la bataille de Badr en raison d'une erreur. Lorsqu'il a entendu parler des exploits des compagnons à Badr, il s'est levé avec enthousiasme et il s'est exclamé C'est formidable Quand j'aurai l'occasion, je montrerai comment un croyant se sacrifie. Anas bin Nazar a participé à la bataille d'Ohud. Les musulmans ont été repoussés en raison de l'attaque soudaine des ennemis et ils se sont écartés du champ de bataille. Le saint prophète Mohammed, à lui est resté tout seul. Il a été blessé par des pierres lancées par les mécréants et il a reçu aussi d'autres blessures. D'autres compagnons blessés lui sont tombés dessus. Ne le voyant pas pour quelques minutes et pensant qu'il était tombé en martyr, d'aucuns ont couru vers Médine qui se trouvait non loin de Houd pour annoncer la nouvelle de la mort du Saint-Prophète Mohammed à lui. La nouvelle a également frappé comme un éclair ceux qui étaient un peu en retrait du champ de bataille. Parmi eux se trouvait Omar. Il était assis sur une pierre en train de pleurer, tandis que Malik bin Anas, qui n'avait rien consommé avant la bataille, est passé à côté de lui en mangeant quelques dates. Il revenait du champ de bataille quand les musulmans avaient déjà remporté la première victoire et quand les mécréants avaient été vaincus. Omar revenait du champ de bataille après que l'ennemi eut lancé une autre attaque depuis l'arrière et, il a vu le saint prophète Mahomet et ce soit lui blessé et tombé. Et certains des compagnons pensaient qu'il était tombé en martyr. Et c'est pour cette raison que Omar était en train de pleurer à ce moment-là. Malik, quant à lui, était heureux que les musulmans avaient remporté la victoire. Les larmes de Omar étonnaient Malik et il a regardé Omar avec étonnement en disant, Omar, est-ce le moment de se réjouir ou de pleurer Allah a accordé la victoire aux musulmans et nous devons nous réjouir. Omar a regardé Malik et a déclaré. Malik, tu ignores peut-être que la situation sur le champ de bataille a changé par la suite. L'ennemi a lancé une contre-attaque par l'arrière de la montagne et nous pouvons y répliquer. L'armée islamique a été dispersée et le Saint Prophète paix lui est tombé à martyr. Malik avait dans la main la dernière date. Il l'a jetée et a déclaré: Qu'y a-t-il à part cette date entre moi et mon bien-aimé Ensuite, il a regardé Omar et a déclaré: même si ce que tu dis est la vérité, ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons nous préparer à nous rendre là où notre bien-aimé s'est rendu. En disant cela, il a sorti son épée de son fourreau et il s'est précipité vers l'ennemi. Un homme seul ne pouvait combattre contre des centaines d'hommes. En un instant, son corps a été réduit en morceaux, des morceaux éparpillés sur le sol. Quand Allah a accordé la victoire aux musulmans, le saint prophète Mohammed Pesos lui a déclaré Cherchez Malik bin Anas. Les gens l'ont informé qu'il était introuvable. Le Saint-Prophète Mohammed a demandé qu'on le cherche de nouveau. En entendant la nouvelle choquante de la mort du Saint-Prophète Mohammed à, à Médine, la sœur Danos s'est précipitée sur le champ de bataille. Et elle est arrivée à l'endroit où elle a découvert un morceau de cadavre. Parmi les morceaux, elle a identifié par un doigt que c'était la dépouille de son frère Malik. Et a informé le Saint Prophète Muhammad que ce soit celui de la nouvelle. Tel était l'amour des compagnons à l'égard du Saint Prophète Muhammad Sallallahu Inch'Allah, je mentionnerai le reste de ces récits à l'avenir. Ces jours-ci, veuillez également inclure les Ahmadis du Yémen dans vos prières, car ils font face à de graves difficultés ces jours-ci. De même, priez pour la nation musulmane, qu'Allah crée l'unité parmi les musulmans, qu'Allah leur accorde la compréhension et le discernement. Incluez également dans vos prières les conditions générales du monde. Le monde court à grands pas vers la guerre, qu'Allah ait pitié du monde. Après la prière de Juma, je dirigerai également la prière funéraire de deux personnes en l'absence de leur dépouille. Le premier défunt est le regretté docteur Abulhamid Hamid Gomanga Saheb, le vice-amir de la Jamad de la Sierra Leone. Il est décédé le 13 janvier dernier à l'âge de 45 ans, après une courte maladie par la volonté divine, Inna lillahi wa Inna raji'un ». Il était moussi par la grâce d'Allah. Moussa Waseb, l'émir de la Jama de la Sierra Leone, écrit ceci. Le docteur Gomanga était celui qui avait fait le plus de dons en Sierra Leone dans le fond d'Albasia. Le docteur Gomanga avait promis la somme la plus élevée et avait offert 10 000 dollars américains avant sa mort en don. quand j'ai fait un appel pour l'achat d'un nouveau terrain pour servir de Djal Saga. le docteur gomangasab avait également servi cinq ans sous le programme de Srajran. il avait été affecté au nigeria mais les démarches étaient en cours ses documents n'étaient pas encore complets au cours de cette période suite au départ d'un médecin pakistanais il a eu la chance de travailler dans notre hôpital de freetown et il a travaillé très dur là-bas dans cet hôpital au cours de cette période, il a fait don à l'hôpital de toute la somme qu'il avait reçue comme honoraire. Et il avait également supervisé la décoration et l'entretien de l'hôpital. Cette somme équivaut à 200 000 léones en monnaie locale. Il a aimé profondément le califat. La plus grande tristesse de sa vie était le fait qu'il n'avait pas pu rencontrer le calife en personne. Il avait entrepris de nombreuses tentatives pour rencontrer le calife, mais il n'a pas pu le faire, il n'a pas eu de visa. Il avait tenté à deux reprises. Lors de son affectation comme médecin, il fournissait un traitement gratuit aux patients nécessiteux. Le docteur Gomaga avait également aidé de nombreux étudiants ahmadis dont les parents ne pouvaient pas payer les frais de scolarité. Il était très honnête, travailleur, il était toujours prêt à aider les autres. Il s'était marié à la sœur cadette de M. Tony Kalon Saad qui habite ici au Royaume-Uni. Elle se nomme Dia Yada Komanga. Ils ont deux enfants. L'un a entre 3 et 4 ans et l'autre a 2 ans. Ils ont un fils et une fille. Said Al-Hassan Shah. Missionnaire de la Sierra Leone déclare ceci Le défunt possédait de nombreuses qualités que je connaissais personnellement. Quand M. Moussa Mewa a été nommé émir de la Jama de la Sierra Leone, le docteur Gomanga était une personnalité éminente de son équipe. Le défunt a obtenu un diplôme en gynécologie au Kenya avant de venir en Sierra Leone. Il était un travailleur infatigable. Il travaillait nuit et jour, oubliant même que sa femme et ses enfants l'attendaient. Il avait également mémorisé le Saint-Coran et il récitait le Saint-Coran d'une voix très mélodieuse. Le défunt avait dirigé les prières Taravi au quartier général de la communauté l'année dernière au cours du ramadan et les gens ont grandement tiré plaisir de sa récitation. L'humilité était également un trait notable du docteur Gomonga. Il rencontrait tout le monde avec... Un visage souriant cachant sa maladie et sa souffrance. Le missionnaire Safir Ahmad déclare que le défunt médecin possédait de grandes qualités et jouissait d'une bonne réputation dans la région. Allah avait mis la guérison entre ses mains, les gens venaient le voir dans le but de recevoir un traitement entre ses mains. En sus des soins physiques, il leur prodiguait également des soins spirituels et les informait à propos des enseignements de la communauté. Il observait le jeûne et accomplissait la prière de Tarhajud. il faisait ses contributions à temps, il abandonnait ses activités temporelles pour répondre immédiatement à des appels pour servir à la communauté, il portait un soin particulier pour la prière du vendredi, laissant de côté toutes ses affaires pour se rendre à la mosquée de porte pour accomplir la prière du vendredi. Abul Haye Kurumazab, le deuxième vice-émir, déclare à propos du défunt que le docteur Gomanga était également membre du comité de la traduction du Saint-Coran en langue Mende, la langue locale de la Sierra Leone. Il était assidu dans ses cinq prières quotidiennes et dans la prière de Tarajud. Il était un véritable Wakfi Zindagi. Après avoir terminé son travail au sein de l'hôpital de l'État, il se rendait à l'hôpital de la Jamaat. Il servait là-bas jusqu'au coucher du soleil, ensuite rentrait à la mission. Il travaillait jusqu'à tard dans la nuit pour rentrer chez lui. Il voyait souvent des rêves vrais, et la véracité de ses rêves se manifestait également. En accord aux directives du calife, il avait fait un plan de 10 ans pour l'éducation des membres de la communauté, afin que la Jamaat dispose d'une main doeuvre considérable à l'avenir. En tant que vice-mir. Dit-il, j'avais une relation très profonde avec le défunt. Son amour pour la Jamaat et le respect des droits d'Allah de et des droits d'autrui, de sa générosité, ses sacrifices financiers, étaient parmi les nombreuses qualités du défunt. Alwami Sessa déclare Le défunt s'était enrôlé à la Jamiatul de la Sierra Leone en 1989. Il a complété ses études en 1991. Il avait obtenu d'excellentes notes dans ses études. Il réussissait toujours avec des notes élevées. Lors de sa première affectation, il a commencé à mémoriser le Saint-Coran. Il a fait de son propre chef. Ensuite, la guerre civile a éclaté et tous les missionnaires pakistanais ont dû quitter la Sierra Leone. Le défunt médecin est ensuite venu à Freetown et il a servi là-bas en tant que missionnaire. Il a aussi également servi en tant que vice pendant cette période. Le centre avait envoyé des fournitures à la Djemma de la Sierra Leone. Lorsque les rebelles ont découvert cela, ils ont attaqué la mission. En tout cas, ces personnes s'étaient cachées sous le toit, dans le plafond, mais le rapporteur de ces propos a été capturé par les rebelles. Ils ont placé une arme à feu sur sa tête et lui ont dit qu'ils vont le tuer s'il ne remettait pas les clés de l'entrepôt. Constatant cette situation, une situation dangereuse, le docteur Gomonga est descendu et il leur a remis les clés. Les rebelles ont pris quelques affaires et sont partis. Khalid Mahmoud Saeb écrit que le défunt médecin avait une relation très aimante et dévouée à l'égard du califat. Il était très sincère, il respectait tout le monde, il était très soucieux de la Jemad et il avait un grand respect à l'égard de tout le monde, grand et petit. Il acceptait immédiatement tout conseil pour le progrès de la jamaat et il disait que la jamaat doit avoir des dévots qui s'efforcent constamment de faire progresser la jamaat. Il ajoute qu'il est rare de trouver des personnes qui disent la vérité comme elle est sans détour. Le défunt était une personne courageuse et intrépide. Sa manière de parler était très belle. Il parlait avec tout le monde sur un ton très doux. Il laissait tout pour accomplir la surah et même si on le parlait sur un ton dur, il répondait sur un ton très doux et il disait qu'un armadi il ne doit pas parler de manière agressive. La Lejna Imaïla du Royaume-Uni est en train de construire un hôpital dédié à la maternité en Sierra Leone. C'est un projet très important par la grâce d'Allah. La docteur Faria, l'ancienne Sadar de la Lajna du Royaume-Uni, était partie là-bas en Sierra Leone pour visiter cet hôpital. Elle dit que le défunt était une personne très bénéfique. Elle a rencontré le défunt et elle a visité la maternité construite par la Lajna. Elle ajoute que le défunt a prodigué de précieux conseils dans le cadre du projet hospitalier de la Lajna. Le défunt a organisé une visite de son hôpital de l'État. Son zèle pour le service humanitaire a profondément touché mon cœur, dit-elle. Malgré les conditions difficiles et le grand nombre de malades qui venaient le consulter, le défunt n'avait rien d'autre que du sourire sur son visage et de la compassion. Il avait cette passion de servir les citoyens démunis de son pays. On pensait que le défunt serait affecté dans l'hôpital de la Lajna Imaïla après la construction de cette maternité, mais Allah quant à lui avait un autre décret à son sujet. Kadhi son épouse, dit que son mari était une personne très pieuse, dévouée à la Jamaat et accordait toujours priorité à la Jamaat sur ses affaires personnelles. Avant de partir pour le Sénégal pour son traitement, le défunt lui a dit :« Nous plaçons notre foi et notre confiance en Allah. Il est notre unique recours. » Tu ne dois pas t'inquiéter, quoi qu'il arrive. Son épouse ajoute qu'il traitait les patients gratuitement, en particulier les Ahmadis, et il était très soucieux de leur bien-être. Elle déclare c'est après le décès de mon mari que j'ai su à propos de ses nombreuses qualités, des qualités que les autres ont évoquées. Elle déclare je témoigne qu'il accomplissait régulièrement les cinq prières quotidiennes ainsi que la prière de Tarajud. Il cotisait sans faille dans les fonds dal à la hauteur de ses revenus après ses calculs. Il complétait au moins une récitation complète du Coran pendant le mois du Ramadan chaque année, et il m'encourageait à en faire de même. Elle conclut en disant que le défunt était un bon mari et un bon père qui les maintenait heureux, qu'Allah accorde au défunt sa miséricorde et son pardon, et qu'il exalte son rang, et qu'il soit le protecteur de sa femme et de ses enfants. La prochaine défunte se nomme Tahira Nazir Begum Sahiba, connue comme Tahira Rashiduddin Sahiba. Elle était l'épouse de Chaudi Rashiduddin Sahib, missionnaire de la communauté. Elle est décédée récemment, Inna Dillahi wa Inna Irehi Rajoun. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille grâce à son grand-père paternel, Chaudi Ghulam Hussein Sahib. De même, Chaudi Ghulam Haider Sahib, Darival, son grand-père maternel, était aussi un compagnon du Messie Ier. Elle était l'épouse de Chaudji Rashiduddin Saheb, comme je l'ai dit. En décembre 1958, son mariage a été célébré par Morana Jalaluddin Shamsab en présence de Hazrat Radu Taranhu. Celui-ci avait dirigé la prière après l'annonce du Nika. Elle évoquait également un de ses rêves. Elle relate en 1980, j'ai obtenu un billet pour assister à la Mazil Seushura en tant que représentante. Le troisième calife du Messie Premier avait également participé à la session. Lors des délibérés, on débattait concernant qui devait être inclus en tant que compagnon du Messie Premier en se basant sur son âge. La défunte déclare. De retour à la maison, je me suis adressé à Dieu avec une grande tristesse au cœur en disant, si seulement j'avais vécu à l'époque du Messie promédes j'aurais été incluse parmi les femmes compagnons du Messie Promédes-Salam. Elle mentionne qu'elle avait vu le Messie Promédes-Salam dans un rêve à l'époque, elle déclare, le Messie Promédes-Salam était allongé sur le côté droit dans ma maison. Je me suis placé à son chevet. Le Messie-Premier m'a regardé avec beaucoup d'amour et m'a demandé « Qu'est-ce qui t'amène ?» J'ai exprimé le désir de masser le Messie-Premier Le Messie-Premier m'a tendu sa main droite et je l'ai massé pendant un certain temps. Ensuite, il s'est rendu dans la cour de la maison pour la prière du Marib. Je suis sorti également de la cour pour voir une grande foule avec des gens sur les fenêtres et les vérandas pour la visite du Messie-Premier Salam. Je leur ai demandé comment ils ont su que le Messie des salam était chez moi. Ils ont répondu tout simplement, penses-tu que nous n'allions pas savoir que le Messie des salam est chez toi Elle mentionne qu'il y avait une dame vivant au tchak numéro 37 qui préparait le pain. Elle lui a demandé de cesser de préparer le pain et de venir voir le Messie des salam qui était chez elle. Par la suite, elle a fait la remarque suivante. Lors de la Shura, on a statué que ceux qui ont vu le Messie des salam sont comptés parmi ses compagnons. Le messie promet l'islam est demeuré chez moi pendant deux jours et une nuit, ce qui fait de moi une femme compagnon. C'est là la grâce illimitée d'Allah le Tout-Puissant. Comment puis-je lui être reconnaissante Son fils, le docteur Limoudine, vit ici au Royaume-Uni. Il a également servi en tant que président national de la Jamaat de l'Irlande. Il habite ici au Royaume-Uni. Il relate Allah a doté notre mère de nombreuses qualités. Parmi ces qualités marquantes, il y avait sa relation d'amour et d'affection à l'égard de la personne d'Allah et l'exaucement de ses prières. Elle voyait des rêves et des visions et elle avait un amour personnel pour le califat de la Jemma Dharmaudia, une qualité évidente tout au long de sa vie. Elle a tenté de perpétuer cette qualité parmi ses descendants et ses enfants. Son fils ajoute, au cours de mon enfance, les grandes personnalités qu'évoquait notre mère n'étaient pas de renommée mondaine, mais ils étaient des cadifs ou des femmes illustres dont le nom résonnait dans nos oreilles depuis l'enfance. Notre mère demandait continuellement des prières à toutes ces personnalités. Ce n'est pas parce qu'elle était elle-même insidue dans ses prières qu'elle n'en demandait pas aux autres, elle en demandait également aux autres. Une autre de ses qualités notables était son sens de l'honneur pour la jamaat. Une fois, un de nos parents éloignés a utilisé des mots inappropriés à propos de la jamaat. En général, les gens demeurent silencieux en entendant de tels propos, mais notre mère a immédiatement offert une réponse ferme. Elle a d'abord arrêté cette personne, ensuite elle a corrigé ses propos. Au sein de la famille, il était connu qu'elle était prête à affronter n'importe quel proche au lieu de lui permettre de porter préjudice à la Gemad. Son mari, Chaudhry Rashiduddin Seb, a servi comme missionnaire. Il a été posté à deux reprises en Afrique dans le cadre de sa mission de prédication. La défunte était demeurée au Pakistan et elle a fourni une bonne éducation à ses enfants. Son fils ajoute, Lorsque nous étions enfants, mon frère et moi, elle connaissait également... Qui étaient nos amis et quel genre de personnes ils étaient Elle disait toujours que nous devons prendre pour amis des garçons bons et studieux du quartier et pas n'importe qui. Ensuite, il ajoute que j'ai souvent observé que la plupart de ses amis étaient celles qui avaient un lien d'amour avec Allah l'exalté et elle disait elle-même qu'elle n'appréciait pas les assemblées mondaines. Mais trouver du plaisir de la compagnie de personnes simples et intéressées par la religion. Ces deux filles, Zubda et Abida, disent que depuis qu'elles ont atteint l'âge du discernement, elles ont trouvé que la défunte était très assidue quant à la prière. Elle se consacrait beaucoup à la prière. Elle était bienfaillante et elle possédait de bonnes qualités. Elle priait avec beaucoup de recueillement et accomplissait les prières sur le et le tahajjud avec zèle. Lorsqu'elle avait un problème, elle se retirait dans sa chambre et se consacrait à la prière pendant un certain temps. Elle faisait preuve de patience et de fidélité et de confiance en Dieu face aux privations qu'elle a pu endurer en tant que Zindagi. C'est uniquement vers Dieu qu'elle se tournait. Elle a également eu la chance d'accomplir le pèlerinage à La Mecque. Elle a exaucé ce vœu. Elle a observé onze étékas ou onze retraites spirituelles. Les visiteurs disent que ces filles l'ont louée pour sa compassion, pour sa moralité exemplaire et pour sa sociabilité. La défunte lisait des livres religieux, en particulier des biographies. Elle le faisait avec beaucoup d'enthousiasme. Elle observait particulièrement l'office de la prière du vendredi, se rendant à la bosquée plusieurs heures avant pour accomplir des prières volontaires. Son fils Salibuddin, qui est missionnaire et qui sert en tant que Nazir de l'Umuriyama Arabwa, déclare Notre mère était l'épouse d'un Wakfizindagi, comme je l'ai mentionné, et Jalaluddin Shamsab avait prononcé son Ika et le musulman avait dirigé ses prières. Les enfants de la défunte Tahira Saheba ont relaté que leur père leur a raconté qu'il allait se marier avec une autre femme. Toutes les préparations étaient terminées. Molana Abdullah Jalandari allait célébrer ce mariage à la mosquée Nusrat Arabwa. Tout le monde était présent, mais Molana Abdullah Jalandari a prononcé le nika des autres couples, mais pas celui du mari de la défunte. Il lui a dit Tu es un zindagi et c'est le Muslimaoud qui prononcera ton Nika, ou ton Nika sera prononcé en sa présence. Mais après quelques temps, la famille de la jeune femme a décidé de ne pas conclure ce mariage. Et le défunt a épousé Tahira Saheba, la défunte, et cette union a été très bénite. La défunte était très régulière dans ses cotisations financières. La secrétaire mâle du Canada lui avait relaté par écrit un de ses rêves. Elle lui a dit Dans ce rêve, j'ai vu que j'ouvrais le registre et je calculais des dons. C'est là que vous, Tahira Arashiduddin Saheba, vous êtes venu vous asseoir à côté de moi. Je vous ai dit que si vous offrez le montant de 5000 dollars, cela sera consigné dans ce registre. Dans ce rêve, la défunte a accepté de le faire. À l'époque, la défunte était en visite au Pakistan. La personne déclare que lorsque je lui racontais le rêve, elle a immédiatement offert cette somme comme je l'avais pressenti. Elle a immédiatement remis 5000 dollars. À l'époque, elle lui avait accordé de l'aisance financière. Que Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله